parole@palais.com. Nous disons tout le monde bonsoir, puis une information nous allons pour développer pour après-midi dans le journal ça, directeur exécutif NDDH, là, M. Pierre Espérance, en bas menace la mort, organisation qui a défendu le monde, recevoir une enveloppe qui a donné une lettre menace avec une balle. Côté menacé, directeur exécutif, organisation ça qui a défendu le monde, et Pierre Espérance, nous connaissons NDDH quitté sans tabulation parce que il estimait le travail qui a fait là pas respecté décret électoral. Voilà. Et madame Marie-Yolaine Gilles, qui est responsable programme et dans RNDDH, précise c'est une organisation pas connaître les bases de l'ONANGER qui voulait l'être ça by monsieur Espérance pendant dire pour le porter dossier devant la justice. Organisation ça c'est une organisation qui ciblait presque tout temps pour position à rapport la présenter sous situation pays. Justement, qui ça qu'a passé, qui décision conseil électoral provisoire après elle prend, jusqu'à présent, pas gain rien qui clair, dans ça qui concernait, ça qu'a passé dans cette tabulation, parce que depuis hier, vérification qui t'a fait des dos, trois représentants, trois candidats à la présidence qui a contesté résultat élection, et puis avec l'autre action, et y'a autant, mais hier, vient faire que, vérification que tu as fait des deux lois, li bloqué après que deux et non trois candidats yo étaient fait requête et puis ont recusé et juge qui non la cour ça BCEN non cour ça qui t'a jugé question élection. Yo dit qu'il n'a pas pour qui et dossier à transférer non mais conseil électoral provisoire mais toute démarche nous fait jusqu'à présent nous pourquoi joindre aucune information dans ça qui concernait qui décision conseil électoral provisoire apprend en attendant et toute vérification bloquée la veille date et conseil électoral provisoire prévoit pour le résultat définitif yo que partisans et tête calé attendent sous compte en sec qui attendent l'appli devant situation ça gain de voix tant cou Yuri la tortue allié tête calé qui qualifié de dilatoire décision avocat et candidat à la présidence Moïse Jean-Charles avec Jules Célestin prend et pour récuser juge dans BCEN. À la tête AA, mandé KEP a pris responsabilité pour le fini avec processus électoral là, une façon pour installer un président 7 février qui a venu là dans tête en pays. Et lui la torture et fait connait n'a cité population aptan KEP a publié résultat définitif élection 20 novembre, il dit Jean majorité peuple là n'a cité t'es exprimé dans élection. Li dénonce tout manifestation avec violence, li dit qu'il continue à fête dans la capitale là. Sénateur la Tibonite l'an souhaité autorité yo prenne responsabilité yo pour éviter population continue victime. Bon côté parle, représentant tête calé dans Sénat, Yun Ladeyo, Hervé Foucault, sénateur sud-lan, déclaré conseil électoral provisoire et capable toujours kembe date 29 décembre, qui donc demain, pour publier résultat définitif élection 20 novembre. Parlementaire tête calé a dénoncé candidat à la présidence qui a contesté résultat élection comme moun n'a cité qui pas aimé Haïti parce que yo pas jamais d'accord avec aucune élection qui pas faite en faveur yo. Et puis gen tout député en Savo à Noir Wilner Guerville qui allait dans même sens dans tout l'attend pour KEP a respecté date 29 décembre pour publier résultat définitif élection pendant que l'on appelle by la police pour garantir sécurité tout le monde après publication résultat définitif. Et puis gen organisation k'ap défendre droit monde c'est défenseur plus et qui allait dans même sens dans tout côté Antonal Mortimer considéré comportement parti k'ap contester résultat préliminaire élection 20 novembre yo, comme de une série de manœuvres dilatoires pendant que souhaitait KEPA bien gérer dossier récusation juge BCEN yo. Il fait déclaration ça dans une conférence pour la presse il t'a ba kon l'autre organisation yo les Codemir et sous et bilan yo fait global et de qui gens élection yo t'est organisé et avec l'autre point encore particulièrement élection t'est bien organisé d'après sa organisation ça yo précisé. Et puis gen organisation toujours dans et ça qui gen à revoir élection MODEP ak yon l'autre organisation et les forums politiques socio-professionnels progressistes haïtiens non conférence pour la presse journée jodi a yo confirmé te gen condamnation tribunal première instance Mianbalea te prononcé contre candidat pour poste sénateur l'Ouest en babanien PHTK Fednel Monchéri et ensemble avec l'autre monde qui était concerné ak li nan dossier ça contrairement
à sa compaëlle, te vin dénoncer devant la presse. Il a parlé de eux de la joie. Il fait qu'on est monsieur était bel et bien condamné. Organisation c'est à ton KEPA qui pourquoi j'en baille réponse pour retirer fait bel mon chéri dans Couslan. D'après ça, il a précisé. Commission épiscopale nationale justice ak la paix présenté un tableau sombre concernant situation droit monde pendant l'année 2016 dans le pays d'Haïti. Directrice nationale Gilles, madame Justine Colanoël, qui te rencontré la presse journée jeudi, fait qu'on est droit politique, économique et social population pas respecté pendant l'année 2016 là. Et selon chiffres responsable organisation droit monde ça qui lié avec l'église catholique te présenté qui sont organes de l'église catholique, il parlait de 572 monde qui mourit dans acte violence pendant année ça dans zone métropolitaine là malgré gain trois derniers mois qui peut encore entrer dans bilan. N'a pas gagné tout pour nous parler de contestation qui a fait dans l'autre niveau pas seulement présidentiel par exemple candidat pour poste sénateur sud-est monsieur Hébert Lahate dit il prend le sommet chambre 1 BCEN non et qui pas bal droit pour al vérifier vote population sud-est non. Dans cette tabulation, candidat qui deuxième et dans selon résultat préliminaire dans pour poste sénateur et des deux candidats combine national allié PHTK Joseph Lambert et accusé Lambert d'après avoir monsieur te fait fraude sans garder derrière pour te arriver dans place que l'river. Yon coup j'ai tout sous ça qui a passé dans domaine social par exemple dans l'hôpital général côté grève déclenchée situation maladie a détérioré chaque jour plus puisque yo pas joine et soin yo vinn chercher dans plus gros l'hôpital pays a. Dans l'actualité internationale là, autorité russe annoncé au joine deuxième boîte noire et a cherché dans la mer noire après accident avion ça qui fait dimanche qui sont tragédie pour pays la Russie. Et puis la Russie justement avec la Turquie continue à discuter ce qui j'ai qu'à faire yon campé yon trêve dans la guerre dans pays et Syrie qui après poursuivre. Pour petit que 50 monde qui mouri dans République démocratique Congo à cause mauvais temps inondation. En parlant de temps son véritable record chaleur qui gagne dans Rio de Janeiro dans pays Brésil côté été austral commencé. Yo pas gagne été même l'heure avec nous. L'aile hiver dans hémisphère nord là dans hémisphère sud là c'est l'été. John Kerry, chef diplomatie américaine là pour quelques jours encore, insistait sur nécessité pour gagne deux états et Israël et Palestine qui campaient même côté, ça que Benjamin Netanyahu voulait jeter et justement Benjamin Netanyahu gon enquête pénale qui l'ouvre contre lui pour deux dossiers que la presse pas connaît exactement et qui ça yoyé. Est-ce que Donald Trump te gagné rendez-vous avec un premier président et africain t'es supposé rencontrer qui c'est président Congo Brazzaville là Denis Sassou Nguesso? Eh bien c'est question ça qui a posé semblait il pas de rendez-vous avec elle. C'est ça qui a dit une véritable polémique pété sous affaire ça. Jeudi à ce mercredi, n'a gagné rubrique multimédia non connexion et puis invité journal 4 après-midi, c'est directeur exécutif centre analyse et recherche dans question droit monde card, maître Gédéon Jean qui a ban nous impressionne sur ça qui a passé dans centre tabulation dans cadre processus vérification. C'est ancien membre commission vérification élection n'a force songer, Sièvlan qui t'a fait rapport que conseil électoral là prend une partie d'y mettre en application mais il pas mettre tout en application ça ne une application à la carte qui te fait des recommandations pour te sortir et dans pétodier élection 2015 là pour répondre question Beethoven François fils c'est information ça a qu'en pilote nous va gagner pour développer pour vous après-midi dans journal ça. D'abord, faut que nous rappelions notre rappel ministère affaires sociales et travail qui rappelait tout patron yo c'est une obligation qui donc un devoir pour payer moun k'ap travaille avec yo entre 24 en date 24 à 31 décembre chaque année yon salaire en dit plus c'est ça les bonien quel que soit combien temps moun nan gagne depuis le travail là Jean que article 154 à 155 dit li et selon code de travail haïtien qui en application notre ça qui pour patron yo ministère affaires sociales et travail profiter pour souhaiter tout partenaire socio-économique en pays a yon joyeux Noël ak yon année 2017 qui a porté fruit et c'est Jean-René Antoine Nicolas ministre affaires sociales et travail qui signe notre rappel ça
pour tout patron yo payer employé yo boni qui donc 13e mois qui sont obligations. Olapalais.com. Oui, n'a pas commencé journal là avec une mauvaise nouvelle et RNDDH annoncé le journée jeudi à directeur exécutif li défenseur droit monde monsieur Pierre Espérance recevoir une lettre menace la mort qui gagne la donne une balle que la poste livrée non et local RNDDH non qui menaçait la vie directeur exécutif là d'ailleurs qui ciblait depuis et plusieurs mois et monsieur Espérance ensemble avec organisation et la dirigeante RNDDH et qui vient plus cibler encore et depuis résultat élection côté et partisans monde qui en faveur une tendance politique bien claire menacé peut-être dit c'est lui-même qui empêchait que yo bail résultat. Bon on est dans pays d'Haïti, il y a 12 millions d'habitants, il doit décider un seul monde c'est lui-même qui ka fon gouvernement échoué, c'est lui-même qui capable faire moun pa réussi, etc. Donc c'est dans cas ça monsieur Espérance Trouvel, c'est lui-même qui responsable d'après accusation qui accompagnait menace et balle et précisé un balle qui déjà dans main DCPJ. N'attendez madame Marie Yolaine Gilles dans micro Didro Parent qui apporter plus explication avec détail et concernant dernier menace que RNDDH prend très au sérieux. 28 décembre 2016 là dans le local RNDDH nous recevrons une enveloppe par la poste qui est adressée à Pierre Espérance. En enveloppe ça, nous joignons une lettre la donne qui portait en tête base Glonanger. Lettre là, li datait 6 décembre 2016. En enveloppe ça, tout gagne yo grain balle. Nous pas cali toute lettre là pour nous parce que gagne des mots que nous-mêmes nous pas capable répéter mais n'a pas nous un résumé. Port-au-Prince Haïti 6 décembre 2016, base Glonanger. Nous gagne contrôle la caille, travail, famille à déplacement. Si nous pensons nous qu'à empêcher vrai résultat à passer, jour nous compter. Pas trop longtemps, nous avons joué une réponse appropriée par rapport à Zach nous. Froid ça, fait testament nous, parce que c'est un groupe raquette ça qui a comploté pour empêcher nous nous te voter à passer. Enterrement 4 félicitations. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous considérons ça comme une menace que nous basons les bases boulangers lâche fait. Comme organisme de défense des droits humains, nous avons toujours fait travail. Nous ne pouvons pas quitter nos intimités. Nous ne pouvons pas bloquer notre cadre de travail nous, par rapport à la menace qui arrive là. Mais il faut que nous disions tout. La menace arrive dans un moment, côté des officiels, de parlementaires, à monter sur la radio pour inciter la population à la violence. Et ils ont même traité RNDDH comme organisation terroriste. Et les médias qui ont la parole là, pas bâillé RNDDH droit de réponse. Qui ça nous fait par rapport à ça? Nous pouvons plaindre dans le paquet avec la police judiciaire et nous informer l'opinion publique là de ça qui passe. N'a pas rappelé pour tout le monde. Ce n'est pas la première fois que l'équipe RNDDH là en bas menace. 8 mars 1999, il a été criblé machine Pierre Espérance en bas balle. Et Pierre était même rivé pour un balle. Nous pouvons plaindre la justice, à la police, enquête là, pour que j'aime pas le résultat. Donc, RNDDH a prêté fidèle à mission comme organisme de défense des droits humains. Nous ne pouvons pas prendre en provocation, nous ne pouvons pas prendre en intimidation, nous continuons à faire travail nous comme ça doit. Et c'est la justice avec la police et BPST qui c'est police scientifique qui lui même pour analyser d'où il balle la voie ba non pour qu'on connaît des qui prévient et des qui manigance et la justice n'a côté plainte contre X puis capable ouais qui est ça qui adresse nous et correspondant ça qui vient pour la poste jodia et dans local RNDDH que nous nous pas indexé personne nous nous ba nous résumé de ça qui sorti dans correspondance base Glonanger écrit RNDDH là il est là adressé à Pierre Espérance. Il attend la justice avec la police mener enquête pour être capable de faire lumière sur ça. Le mandat de l'ambassade à base de l'agir. Dans le ministère de l'État. Non, pas vraiment, mais on a utilisé n'importe où, c'est des lâchoyers, base Glonanger, puis a fait des menaces pour aller. Donc, c'est des lâches qui comprennent qu'on est capable d'empêcher RNDDH de travailler. On a dit que yo pas 6 RNDDH a plus déterminé, équipe la plus soudée, n'a continué de faire travailler nous et nous pas peur.
Voilà, Madame Marie-Hélène Gilles, responsable programme dans RNDDH, qui t'a parlé comme ça dans le micro d'Hydro Parents. Faut que nous disions RNDDH, déjà écrit commissaire gouvernement Port-au-Prestant, M. Jean Danton Léger, et pour porter plainte concernant menace. Et nous gagnons dans maintenant copilote ça que recevoir dans paquet Port-au-Prestant mais ça le dit donc il y a tout détail sous directeur exécutif RNDDH là monsieur Pierre Espérance qui a dirigé réseau national défense droit monde qui secrétaire général tout fédération internationale ligue droit monde FIDH et puis qui membre conseil administration partenariat et redevabilité humanitaire AP. Et bon il y a numéro identification ni et tout ça et signe carte d'identification nationale et tout numéro. Et depuis un certain temps, d'après ça le dit, plein de salles portées devant le commissaire gouvernement et conseil de message et Marc Fabricio, c'est intolérance qui a circulé contre directeur exécutif NDDH, surtout sur réseau, ça et les réseaux sociaux. Yo. Et message ça, yo, d'ailleurs, NDDH par exemple, bayo trop importance. Et côté au longé droit sur organisation yo qualifié de tous les mots d'Israël yo dit que travail li a fait c'est pas travail qui n'a intérêt pays a bref cependant journée jeudi à Pierre Espérance estimé ses devoirs pour informer paquet que dans date 28 décembre 2016 jeudi a li recevoir une enveloppe qui gon thème sous li qui donc qui passait dans la poste que poste pays d'Haïti livré dans local organisation qui dans numéro 9 rue Rivière Port-au-Prince. Il y a là dedans un bal ak yon lettre qui portait date 6 décembre 2016 et là dedans yo reproché directeur exécutif RNDDH là d'après avoir empêché que vrai résultat élection yo publié. Toujours dans lettre ça envoyé par commissaire gouvernement RNDDH dit directeur direction centrale police judiciaire DCPJ étant au courant de lettre menace yo voyé et contre monsieur Espérance et qui gagne la donne balsa et puis avec lettre ça yo déjà voyé dans DCPJ pour faire analyse balistique concernant balle Pierre Espérance attiré attention là par la commissaire gouvernement mettre léger et sur le fait que message ça yo arrivé non moment côté à travers de l'autre média dans pays hein, et parlementaire et sous la place publique a incité peuple haïtien pour faire violence et yo traité organisation NDDH de organisation terroriste malgré violence parole parlementaire ça yo et malgré ça yo dit qui gravement grave dans déclaration yo yo fait non série de médias aucun dans média ça yo pas jugé le nécessaire pour yo ta faire au moins un travail équilibré pour yo ta chercher connait qui position et qui réponse RNDDH qui pas de droit de réponse sous média ça. En plus de ça, c'est pas première fois que directeur exécutif RNDDH tant recevoir un genre de document comme ça. Dans date 2 avril 2014, monsieur Pierre Espérance était déjà recevoir une lettre menace la mort et côté te gagne une balle la donne. Lettre ça, eh bien il était porté plainte tout dans paquet tribunal première instance Port-au-Prince dans date 9 avril 2014. Cependant, pas gain en quelle action la justice est en main et posée dans quatre affaires dossier ça, probablement classé sans suite. Si lettre 2 avril 2014, non, c'était un individu qui personnellement était présenté dans le local RNDDH tant que t'es pour tel, eh bien, lettre ça, journée jeudi, c'est service l'État, service la poste qui livrait dans le local organisation. Et donc, M. Pierre Espérance demandait pour honorable magistrat Jean Danton Léger pour mettre action publique en mouvement contre moun sa yo qui donc l'auteur ak moun qui nan confié lo avec yo pour faire zak sa co-auteur et document sa yo qui fait menace concernant la ville et moun qui écrit tout sans yo pas signé qui donc anonyme et la loi prévoit dans code pénal là moun sa yo ka puni yo ak article 251 et d'après sa code pénal l'a précisé. Et si ça fait, c'est va droit à justice. Et c'est Pierre Espérance, directeur exécutif NDDH, et qui écrit commissaire gouvernement Port-au-Prince, demandé de mettre action publique en mouvement contre Mouna ou bien Moun Sayo qui menaçait la ville avec l'être menace plus balle. Je vois Bali jeudi à dans le local organisation ça qui engageait dans la défense droit Moun dans le pays d'Haïti.
RNDDH fait partie de organisation ou bien de personnalité tant que monsieur Pierre Espérance qui ciblait depuis plusieurs mois et sans prendre souffle écoutez yo rend responsable tous les maux d'Israël. Bien entendu, équipe RNDDH là qu'on est qu'à compter sous solidarité totale capitale de équipe Radio Kiskeya. Et n'a suivi dossier ça de très près. On vit Nicolas là dans dossier justement reproché Pierre là. C'est question résultat élection. Nous connaissons une situation bloquée depuis hier soir dans le centre tabulation. Après que deux dans trois avocats, trois candidats qui ont contesté résultat élection 20 novembre yo, et récusé juge, peut-être dire dans passe pour qui. Et ce dossier a transféré depuis hier soir dans le conseil électoral provisoire. Il y a tant de décisions qui pour le prendre. La veille, date ça que Libaye tête li, qui c'est demain 29 décembre. Que partisans tête caléo tout allié objectif tout mobilisé y a tant d'après ça yo dit nous pas mobilisation mais yo dit yo mobilisé y a tant et pour et consacrer victoire candidat yo qui c'est monsieur Jovenel Moïse et une là-dedans c'est Yuri la Tortue évidemment allié tête calé qui qualifié de dilatoire décision avocat candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, adjudant Célestin Prend, pour récuser juge et BCEN hier soir. Parlementaire AAA, mandé KEPA, prend responsabilité pour finir avec le processus électoral. Ça, une façon pour pays, en absité capable de gagner un nouveau président. Et puis, selon Yuri La Tortue, population haïtienne, et attend KEPA publier résultat définitif élection 20 novembre, Jean lui dit que majorité de peuple a été voté. Et sénateur La Tortue dénoncé diverses manifestations, il dit qu'a fait avec violence dans capitale là contre élection ça yo. Sénateur La Tibonite l'a souhaité autorité prendre responsabilité pour éviter population n'a pas cité encore pas continuer victime. N'a pas tendé sénateur Yuri La Tortue dans micro Vinner Joseph. Là que ou récuser juge même dans tribunal de droit commun ou pas qu'à récuser ou de cassation en masse. Le BCEN c'est le bureau de contentieux électoral national. Donc c'est la Cour suprême électorale. Si qu'on récuse tout juge dans le BCEN, c'est un déni de justice. Qui est-ce qui vous bat justice? Parce que la juridiction électorale n'a pas gagné Cour de cassation quand elle est tête. D'après la Constitution, le dernier tribunal, c'est le bureau de contentieux électoral national. Ou pas qu'à récuser tout juge en masse la Cour de cassation. Si vous récusez yon, moi pensez que le Conseil électoral va trancher. Mais parce que vous avez parlé de récusation en masse. Même pensez, en dehors de tout ça, il faut que nous finissions avec dilatoire ça, ou que vous décidez et vous baillez les résultats dans l'élection que tout le monde attend depuis longtemps. Le gain des leaders responsables dans le pays, il faut prendre les décisions dans les institutions. C'est pas là où vous quittez à prendre décision. Moi pensez que jeudi, vous dit dans la Constitution non, que le CEP est le juge de toutes les contestations soulevées à l'occasion des élections. Le CEP doit garder la gaille, garder tout ça qu'a fait, requête et sa tribunal a décidé pour décider. Parce que je dis, c'est là justement qu'il n'a pas décidé. Eh bien, moi, je pense que, ou qu'a tombé, eh bien, dans tout ça, on parle là. Moi, que je dis, il y a une institution qui l'a. Bon, élection qui est organisée le 20 octobre. Gagner des contentieux qui soulevaient au niveau du BCUD. Yo transporté yo au niveau du BCEN, qui lui-même mandé des vérifications par des jugements avant dire droit. Maintenant, yo doit faire vérification et rendre le jugement définitif. Il faut que le CEP puisse prendre ses responsabilités. Ligue 1, justement, des cas qui devant, ligue 1 des vérifications qu'a fait, s'il voulait la école dans la 3, CEP a laissé mener pays dans la 3. CEP a dû décider, c'était fixé au 29 décembre. Moi, je crois que la responsabilité revient à cette institution indépendante créée par la Constitution de 1987, justement pour trancher sur les contentieux et donner les résultats d'après le vote populaire. Le CEP, il y a deux fonctions, une fonction administrative, le labjiré élection, il y a une fonction contentieux, l'ELTES formule comme juge. Donc, je dis, ce sont des juges. Et comme juge, ils doivent décider en BCEN. Donc, ils ont rendu des jugements avant dire droit. Et quand ils commencent à s'étendre, ils ont fait de vérification. C'est le BCEN qui se transporte pour aller vérifier. Les partis demandent la vérification et le tribunal, le BCEN, va vérifier. Donc, ils doivent faire travail pour qu'au 29, ils donnent les résultats. Voilà, c'est sénateur Yuri La Tortue allié PHTK qui t'a parlé comme ça. Bon côté pas le représentant PHTK dans le Sénat, Hervé Foucan, un représentant déclaré Conseil électoral
provisoire capable toujours publier résultat définitif malgré que depuis hier soir vérification qui t'a continué des deux représentants trois candidats t'a fait les camper depuis hier soir. Malgré ça, il dit que le possible pour KPA publier résultat demain 29 décembre non, selon représentant tête carré. Parlementaire a dénoncé candidat à la présidence qui a contesté résultat élection yo, comme on l'a dit, selon lui-même qui pas aimé Haïti, parce que yo pas jamais d'accord avec aucune élection qui pas en faveur yo. Hervé Foucan mandé moun sa yo et qui pays et qui te pays a marché et pour pays a capable d'après ça le dit prendre route progrès ak stabilité. Selon représentant tête calé dans Sénat, et si problème politique ça pas résoudre à partir de l'année prochaine, peuple haïtien pral besoin 80 gouttes pour ka acheter un dollar américain. N'attendez le micro Vinner Joseph. Merci pour le travail jusqu'à 2h du matin pour vous faire et puis le lendemain même là pour transporter en tribunal pour bah résultat ça pour faire parce que ceci n'est plus pas cela. 261. Yo fait long jour. Yo fait long jour, yo ka travay. So m'ba wè pou ki sa pou retard. Pou ta reprenn le processus la côté de campagne. Le candidat so bizi sélection bizi kreye nan peyi a. Parce que peyi a toute la 5 journée ou mete sou mode élection seulement. Li pa possible. Li pa possible. Ben ça ou peyi d'Haïti c'est seul bon business nan yo vle kreye. Ou peyi pa gen kòb ou 4 million dola pou monter là. Dollar supposé en janvier là avec tout moun ki pral reparti pour voye ti moun l'école. Dollar 80. Si nou pa bay au moins stabilité ça pour moun yo ka koure. Dollar 80 si on va faire ça. Ou gou ribay ki rive là, tout moun, bon même tout moun a dit pays a pas bon, pays a pas bon, m'a gardé un bagay, c'est ça m'a dit collègue oui. C'est deux bagay qui marche ici. Époque décembre là. Manifestation programme la nuit. Depuis la nuit rive 6h du soir, te mettre manifestation avant nous grand monde pour faire manifestation. Tout dans programme. Et pas un programme dans Pétionville, dans Port-au-Prince qui va foutre. Sans comprendre dans pays. Pays a besoin pour aller au souffle. Pays a besoin d'aller au souffle. Pas de cobre, mais moun qui est cobre, il a besoin à pour break pour le pas fou. Mais faut moun yon comprendre dans politique, ça a fait pas bon. Kounya nous même, même bon côté nous là. N'a goumé là pour nous faire séance. Par exemple, sénateur, nous gen loi ça, nous besoin de même gen loi 3 chiffres. Nous besoin déposer tout. Nous besoin que vous faites ou loi. Pour moun commencer à 6h pour finir à 2h de l'après-midi, 2h de l'après-midi pour finir à 8h, 8h ou l'autre chiffre encore entré. Parce que faut payer à gouvernement, faut payer à mon vie 24 sur 24 4 marchés là-dedans. C'est pas ça que nous devons aller. Si nous ne faisons pas effort pour chercher stabilité, pour loi, pas mon cas, même si nous finissons faire, les cas imposés, les papes gens qui imposés. Donc, mais même penser que Jean Abdian, c'est pas seulement pour même nous, même journalistes, font qu'à dire, monsieur, on met tout là, on cherche une tête ensemble, ça, n'est-ce pas besoin, ouais, n'est-ce pas besoin dilatoire, n'est-ce pas souvent à chercher, que nous même tout, nous, là, monsieur, qui ça a besoin, qui ça a besoin, souvent, moi, je vais prendre la main, je vais nous. Mais parce que nous tous, ouais, que là, par un effet deux, j'aime toujours dire non. N'est-ce pas seul bagage, y'a besoin, son seul bagage, y'a besoin d'activer pour faire élection. Y'a seul faire papa pivé, faire élection pour y'a dit papa, élection va bon, non? Refaire encore. Mais c'est pas possible. Voilà, Hervé Foucan qui représentait tête cadet dans le Sénat, qui t'a parlé comme ça dans le micro Vinner Joseph. Et l'autre représentant PHTK, c'est député circonscription en Savo, à Noa, dans la 50e législature. Wilner Guerville, qui m'a déclaré à respecter la date 29 décembre, non? Et pour publier résultat définitif élection 20 novembre, qui donc demain. Parlementaire PHTK a mandé candidat à la présidence, il dit qu'il perd l'élection pour respecter vote populaire, d'après ça, il dit. Wilner Guerville a mandé président, premier ministre, non, avec responsable de la police, prend responsabilité pour garantir sécurité population après au fin publier résultat définitif élection. Et d'attendre Wilner Guerville, toujours dans le micro, Wilner Joseph. Quel que soit forme, pas de route pas bois. Même si vous prenez Aristide ou Métil dans le conseil toi là, même si vous prenez Moïse Jean-Charles ou Métil, même si vous prenez Gilles Leston Métil, Jovenel, président, ou mettre l'élection là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à la sortie de là. Donc, nous avons un message pour nous dire, secteur politique ça, qui parle les pays à marcher, donc nous disons, il est le temps pour comprendre la population, il dit ça assez. Et je dis à, quel que soit forme, il faut que le résultat, déjà, dans le chaudière, pour demain, si Dieu veut, quel que soit forme, il faut que le résultat sorti pour la population libérée en bas de dictature. Techniquement, nous pas qu'à venir avec un et pour dire que l'élection était mal faite. Il dit faute massive, il n'y a pas qu'à venir faute. Donc, sauf que nous avons senti
peuple là-bas au dos, yo voulez mettre le peuple là dans prison et le peuple là dit non, pas dans prison. Il n'y a pas d'argument, son pas fait dilatoire pour faire jour passer. Donc, voulez pas voulez, demain, résultat, pas gain ou pas bois. Yo décidé, là, yo voulez là, yo là, là, yo pas là, yo pas là, c'est le droit le plus entier. Donc, ça veut dire, donc, nous pas gain rien pour nous dire avec ça. Donc, c'est continuer de travailler là, BCN, c'est plus gros sens qu'il y a. Donc, nous pas gain rien au cas de BCN, non. Donc, simplement, c'est, yo t'aimant des vérifications, yo fait vérification pour yo. Donc, yo, ouais, qui yo pas gain ou pas bois. Donc, yo décidé pour faire dilatoire, pour montrer qu'il y a quitté, il y a venu. Donc, ça, nous pas prendre là-dedans. Donc, pas gâteau de là, nous tout disons que chapeau pour nous dire, président de la République, là, premier ministre, responsable de sécurité, pays, pour nous dire attention. Parlement, là, chambre des députés, là, nous sommes en consultation avec quelques députés pour mise en accusation. Si et seulement si, pays, donc, il n'y a pas de sécurité là-dedans, le film a résultat, pour que nous comprenions, il y a une autorité qui a fait complot pour. Yo permet que yo craser briser pays a nous dit nous pas passer. Nous gagnons ensemble des députés qui en consultation pour que nous voyons signal par autorité responsable pays pour nous dire au coin qu'est-ce que responsable sécurité pays. Nous dit que président de la République, nous dit premier ministre, nous dit nous en consultation pour une mise en accusation que côté que gagne responsabilité si on pas prendre responsabilité pour que demain et yo jeune sentence. On ensemble des députés et qui ont le même genre. Donc nous dit à partir de lundi 2e janvier, donc nous dit autorité yo, si on pas prendre responsabilité yo, donc nous-mêmes n'a fait de voile. Voilà, c'est député PHTK qui représentait Ansavo Arnaud dans chambre député à Wilner Guerville qui était parlé comme ça toujours dans le micro Wilner Joseph dans fond premier camp. Olmapalais.com. Oui, toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre journal 4 heures, c'est recherche que nous avons fait. Bon, nous pas recevoir. Il y a des auditeurs qui alertent, qui font connaître que le Conseil électoral provisoire prend une décision, mais il n'est pas vrai le bail Radio Kiskeya, contrairement à ça qu'on habitué fait. Et nous pas jeûné sous aucun site nous, côté que nous avons un terminal qui recevait information et sous aucun mail, ni moi-même, ni Marvel, ni Stéphane, et ni nos salles de nouvelles là. D'après ça, et quelques responsables qui t'attendaient dans l'autre radio fait nous connaître, Conseil électoral provisoire prend décision et pour le reconduire même tribunal électoral là, BCEN, non, qui doit reprendre vérification, excusez, après-midi, à soir même à 10h. Bon, c'est un coup de route. KEPA, si gen moun kap tande, yo vlo e ban nou, komunike a na gen pou nou li, ba ou jen kon abitue fel, men nou note Conseil électoral provisoire pa voye komunike sa ban nou, alors que Radio Kiskeya, se youn radio de moment sa ki gen un journal ki an kou. Et puis, nap continue ak journal lan, justement nap retourne sou sakte la cause et opération, vérification te kampe hier soir. BCEN, non, on va te remettre un dossier à bah, Conseil électoral provisoire. Et c'est après que avocat, candidat, plateforme Petite Dessaline, non, et Jean-Charles Moïse, maître Evel Fonfon, et dans finissement après-midi à commencement soirée, hier soir, avec un huissier, t'es venu demander KEPA, mettez juge électoral, yo sous côté, parce que yo t'en passe pour qui, à qu'un parti PHTK. Demande ça arrivé dans centre tabulation, dans le moment, juge électoral, yo te prend une suspension pour yo te analyser requête avocat, candidat à la présidence, la PA, Jude Célestin, avec une sommation avocat, Moïse Jean-Charles, te voyé by BCEN, non, pour te demander de reprendre processus de vérification procès verbal, yo, en présence représentant deux candidats, ça, yo. Et yo pas reconnaître toute décision qui a pris depuis sa pas faite. T'es gué bouche l'ouvrir, entre quelques représentants PHTK qui étaient là, ak maître Evel Fanfan qui c'est avocat plateforme Petite Dessaline nan moment avocat a bail détail nan micro la presse sous demande en récusation Petite Dessaline te fait concernant tribunal là n'a écouté qui vient sa tête nan micro Robinson Henry. Le PCEN considérant que à requête en date du 27 décembre 2016 reçu à 5h40 au centre de l'appellation CDB, le candidat Jean-Charles Moïse a nous devinons, est-ce que tu joues obtempéré à récusation que nous sommes produits à CEPA, à grève BCEN, à et juge
et dans le moment que le t'a privé hein, et que nous signifions une récusation et pas de n'a pas avec vous là, il n'y a pas aucune qualité, il n'y a pas aucune compétence pour moi, aucun fait papier là. Non, il m'a dit, pas fait ça. Donc, pas dit ça. Non, conformément écoutez, pas fait ça. Fais très attention quand je parle, d'accord? D'accord, il n'y a pas de pièce de corps là. Ok, écoutez, nous venons, nous clairs, et maintenant, tout ça, écoutez, et en présence journaliste, écoutez bien, vous êtes témoin de ça, et si, il continue à faire ça, et ma petite costume de soumis, montez de quoi que je suis capable. D'accord? Très bien. Ok, tout à l'heure, on va faire. Écoutez. Nous sommes venus là, nous clairs, et que les cinq membres qui siègent là, ils n'ont pas aucune compétence. Dans le moment où on a parlé là, pour moi, ils n'ont aucun fait papier là. Parce que nous récusons, et il faut avoir une récusation, c'est bien pour le trancher. Ils n'ont pas gagné au camion là, et nous clairs avec eux. Et si on fait qu'on est là, n'a pas tel avantage que de droit. Okay. Et n'a montré de quoi nous sommes capables. Okay. Quelques minutes avant, nous te font une sommation, un petit après, nous avons fait récusation. Nous avons demandé au CEP de prendre la route de la raison. Et hier, nous sommes CEPA pour qu'ils retournent à la vérification. Donc ça, c'est PASTK, ouais. Vous voyez, mais ça fait assez cas, ok? On va une interview, pas même carrément tendre parce que c'est du vagabondage. Et nous clair avec eux, nous allons jusqu'au bout de notre vagabondage. Donc, on est là, motif hier, nous dit un, ils ont violé, avant de dire droit, que vous te prenez eux-mêmes. Ils ont violé le décret électoral là, en son article 176, qui est très clair. Il dit que le candidat qui contestait, il a droit à la vérification. Il a accès à la vérification. Donc, nous clairons sur ça et nous disons, puisque nous sommes sommés, nous n'avons pas obtempéré, et nous sommes clairs que nous n'avons pas tel avantage que de droit. Et tel avantage là, ça c'est premier à nous prendre là. Nous sommes sommés, une récusation automatiquement jeune par voie du ciel que nous voyons là. Récusation, il n'y a pas qu'à faire un encore. Voilà, c'était hier soir dans cette tabulation, M. Evel Fanfan, à couper dans ton PHTK. Immédiatement, greffier BCN a été fin li de Madelan et avocat Jean-Charles Moïse a été voyé dans BCN et président tribunal là, qui c'est conseiller Josette Dorsely, a déclaré BCN voyé de Madelan par KEPA pour suite nécessaire pendant le fait qu'on ait demandé et campé sous opération vérification. En attendant une décision Conseil électoral provisoire, attendez Madame Dorsely. Le PCEN, considérant que à requête en date du 27 décembre 2016, reçue à 5h40 PM au centre de tabulation CDV, le candidat Jean-Charles Moïse a refusé en masse la troisième composition du PCEN. Siégeant dans l'affaire des candidats à la présidence. Considérant que seul le conseil d'administration du CEP, le conseil électoral provisoire, peut décider de la requête de révisation, par ces motifs, la troisième proposition du BCEN transmet la dite requête au conseil électoral provisoire pour la suite de loi. Donnez-le-nous. Joseph Jean Dorsely, Jean-Simon Saint-Hubert, Anès Chiprin Croiseus, Jacques Sépierre et Joseph Riel Latis. Avec l'assistance de notre greffier, Norgibus Innocent. Sur ce, le BCEN prend une suspension d'audience. Voilà, c'est président tribunal là, Madame Josette Dorsely, porte-parole parti tête caléade, docteur Widi Erivo, considéré démarche avocat, sénateur Boris Jean Chaliot comme une manœuvre, et pour faire temps passer, la veille, rendez-vous au gain, qui c'est demain jeudi 29 décembre, non, pour bailler résultat définitif, élection 20 novembre. Ancien ministre, non, et qui était quoi, ça pas empêcher candidat là,
entrer dans le palais national. N'a pas coûté porte-parole PHTK Rudy Erivo, toujours dans le micro Robinson Henry. Ce sont des gens qui ont perdu une élection. Ce n'est pas la fin du monde. En politique, la politique c'est une roue qui tourne. Gonjou la prêté sous, gonjou la prêté sous l'autre. Mais sous les gourmets avec, sous refuser d'accepter les règles du jeu démocratique et règles alternance politique là, eh bien vous êtes totalement à côté de la plaque ou à fou voyer tête tout. Je ne le dis pas là. Que ça qui fait là encore, c'est une énième tentative pour faire durer le plaisir, pour faire temps passer, entraînant logique de manœuvre, de diversion, mais tout à fait sordide, tout à fait malsaine, et qui pague non, parce que des gens qui connaissent au perdu, mais qui décidaient tenter pour un pays en otage. Et démocratie en otage. C'est une demande de récusation qui était produite déjà, d'ailleurs, nous-mêmes, au niveau du PHTK, nous était produit. Vous songez ça? Ils ont été rejetés, demande ça. Donc, on n'a pas qu'à retourner avec la même formule sur la table à nouveau. Non seulement pas effet rétroactif, mais on demande côté produit et qui a déjà été rejeté, ou pas capable en mauvais perdant et en récidiviste aveugle. En récidiviste, mais vraiment crétin, pour capable de venir avec sous table encore. Donc ça participe tout simplement, non logique de dilatoire, non logique de manœuvre, de diversion, non seul objectif, ou comment est capable de gagner du temps, parce que dans l'esprit, le temps c'est un allié sûr pour eux, et ils se trompent lourdement, parce que pas aucun monde capable d'enrayer, ni empêcher rendez-vous peuple ça avec tête avec l'histoire. C'est eux qui le trancher, dans le sens que tout pays en connaît, à savoir rejeter catégoriquement cette démarche malsaine et sordide qui n'a pas fait honneur à ces gens. Bon, quand faut qu'on arrive, me dit là comme répéter, et je me fais le devoir d'insister là-dessus, à vos micros, mes chers compatriotes journalistes, bon, de gros arrivé, l'on perd une élection, vous avez la sensation qu'on perdu. L'on gagne tout dans l'après-midi même de la journée électorale où qu'on est l'on gagne. Donc, on sait qu'on est au perdu. Mais tentative pour prendre un pays en otage, prendre la démocratie en otage, sont tentatives qui pas réussi, qui pas abouti. Ça n'est pas tué, non? Ça fait plus de près de 2 ans que dure un marathon électoral. Ça me long chemin de croix électorale là. Ouais, pas ouais, nous dans la dernière station. Oui, Dieu, il faut qu'il n'y ait pas une sensation que le perdu l'élection, mais il est toujours du côté des gagnants. Et justement, le conseil électoral l'a tranché. Nous pas recevoir en quelle note nous mène Radio Kiskeya, mais nous gagnons une déclaration porte-parole. Conseil électoral provisoire, Madame Nicole Siméon, mais ça nous lit, 28 décembre 2016, non, à 4h, et Conseil électoral provisoire, après délibération, il a rejeté demande, récusation, et que candidat qui a contesté résultat élection présidentielle de TFA, pour qui raison? Parce qu'il a fait trop tard, et tout, il n'y a pas chita sous un yen, parole d'opi en flic. Pour raison ça, et vérification, il a reprendre, à soya à 6h, et pas 10h. Et pour y a gagné pour yo li décision en intégralité et ou capable joindre sur site internet Conseil électoral provisoire www.cephaiti.ht selon porte-parole Conseil électoral provisoire Nicole Siméon. Mais cependant CEP a pas encore affiché motif lio sur propre site pal. Voilà, et y a pour prendre vérification probablement en absence de 3 parties. Et on a fini d'abord avec ça que t'as gagné hier dans BCEN, non, qui t'a dû vérifier, journée mardi, reste 260 procès verbal qui t'a été sur un total 1560, qui baille 12% dans tout ton procès verbal, yo. Dans le moment où t'es suspendu le travail, là, juge électoral, yo, t'es déjà fait tirage au sort pour 219 procès verbal qui sortit dans le département sud, sud-est, à CNIP. Plus 42 les autres, yo choisi, nan procès verbal, yo te mette, nan procès verbal, yo te mette sous côté. D'après ça, reporter nous, Robinson Henry, qui te fait reporter ça hier soir, précise pour nous. Fak nous dit, gagnez, nan men nou la, yon note conjointe, avait dit, yon note ensemble, que 3 avocats qui représentaient 3 candidats yo signé, et, mais ça yo dit, avocat parti qui a contesté résultat préliminaire élection, 20 novembre 2016, yo. Avocat parti Sayo qui a contesté résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre 2016, non, voyez fait tout le monde que ça intéressé qu'on est public en général, que yo était obligé recuser 5 membres, 3e composition et bureau contentieux électoral la BCEN,
peut-être conflit intérêt qui clair et peut-être suspect moun sa yo dans légitimité yo de con suspicion de préférence con suspicion légitime d'après ça il fait connait et puis côté tout et yo croit que tribunal là n'en passe pour qui et c'est de façon à clair pendant processus vérification dans centre tabulation et ce pendant étape exécuter ça les décisions de justice avant dire droit et sorti 19 qui est sorti 19 décembre 2016 dans. Avant dire droit ça il est ordonné pour aller vérifier tout procès verbal qui a rapport avec feuille comptage liste démargement et tout nino et vérification te doit faite à partir de un échantillon 12% dans tout procès verbal yo et côté t'a mettre tout quelques autres procès verbal que la paix à petite Dessalines présenté pendant vérification même collège électoral là sûrement été saisi c'est notre qui a parlé les gars des catastrophes ont constaté pendant deux premiers jours dans vérification et là ça ont décidé pour changer radicalement règles que pour mettre en application pour continuer et nan réaliser et mesures instructions que y a fait concernant vérification et doit formuler et pour même pour dire qui ça yo pas d'accord grief yo et puis pour parler de observation doit ça tribunal n'a pas reconnaître li encore li retirer le nan men avocat parti k'ap contester présidente tribunal là et pour le kabete babouquet total capital nan bouche défense là interdit pour greffier yo même écrit ça les consigner toute observation que le défenseur parti contestataire ou fait dans occasion vérification pour raison ça avocat sa yo avocat trois partis yo trois candidats yo yo te nan impossibilité d'après ça yo dit pour ra poursuivre et plaidoirie yo et qui t'a puis yo pas capable et référer yo à en quelque sorte rapport vérification dans cas ça. Donc c'est une vérification que BCEN nan a fait pour contenir de façon unilatérale et pour raison ça avocat ça était obligé d'après ça affirmé requiser troisième composition BCEN nan avec un expert de tribunal l'a dit troisième composition BCEN nan et puis yo exiger que processus vérification reprenne Jean décision avant dire droit donc avoir pour décision 19 décembre nan te dit avocat ça yo qui a parlé comme ça et yo profiter occasion pour yo interpeller président Fédération Barreau d'Haïti FBH Met Stanley Gaston et le fait que yo mette obstruction qui donc obstacle et caractérisé d'après ça yo fait connait pour empêcher exercer profession comme avocat Jean que membre BCEN nan fait alors c'est la troisième proposition BCEN et donc yo pense que ça a fait là yo ta gen droit faire yo gen droit laïté Jean yo vle comme si yo cité une formule française votre ville là te gen droit et pour te wel nan BCEN nan comme si te gen droit faire ça et donc présidente composition après que te interdit que procès verbal yo et c'est pour yo te vini pour venir garder vérifier et que pas bay avocat parti qui a contesté yo il te proposé yo pour venir camper derrière dol pour capable ouais l'air prend chaque procès verbal yo yo dit yo dérefuser entrer dans intimité ça avec un président là et yo même qui c'est parti contestataire yo dérefuser à camper derrière président tribunal là donc yo pas accepté trois avocats c'est qui est-ce qui signe et nous jeune maître Gervais Charles ak maître Robinson Gentil c'est avocat famille Lavalas qui a défendre intérêt candidate Marise Narcisse maître Evel Fanfan avocat plateforme petite Dessalines qui a défendre intérêt et candidat Jean-Charles Moïse et puis maître Michel André Michel qui a défendre intérêt Jules Célestin donc trois avocats ont signé ensemble nous avons tout base et candidat sa yo parti yo manifesté ensemble tout dans la rue mais pas gagné jusqu'à présent aucune liaison aucune alliance politique entre trois concernés. Palais.com. Oui toujours concernant situation politique là une organisation qui a défendu droit monde et qui est les défenseurs plus
et Antonal Mortimer parler dans nous journée jeudi a considéré comportement parti qui a contesté résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre comme une série de manœuvres dilatoires pendant que souhaitait que KEPA bien gérer dossier récusation juge BCEN. Ça le déclaré dans conférence pour la presse jeudi a dans local organisation ça défenseur plus qui chita dans rue Rivière ensemble avec responsable Codemien Pierre Gaonere qui fait partie de même structure en tout et qui déclarait élection 2016 yo globalement est bien organisé. N'a coûté co-directeur défenseur plus là Antonal Mortimer qui a présenté rapport observation organisation ça dans ça qui concernait élection 20 novembre yo. Conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Élection était nettement améliorée par rapport à 2015, même là tu gagné quelques irrégularités, ça qui fait nous t'es très présent, très vigilant pour capable continuer suivre processus là jusqu'à tabulation vote. Liste d'émagement qui pas correspondait. Majorité des cas qui pas correspondent avec liste électorale partielle. Nous pensons que c'est le plus gros problème qui réduit taux participation dans l'élection. Dès qu'il y a des zones qui ont des problèmes infrastructurels, qui ont fait matériel vote, pas privé dans le centre de vote à temps, et qui ont des côtés dans la zone nord-est, dans la Grand-Anse, dans le sud, il y a des bureaux de vote qui ouvrent jusqu'à midi, 1h de l'après-midi. Mais malgré ça, pour nous-mêmes, ça n'est pas capable, d'affecter la question du vote populaire. Le comportement de la police, là, pour nous-mêmes, est exemplaire dans la présence. Dans le centre de vote, à temps, dans une réaction à temps tout, les tentatives de dérapage ou bien déstabilisation pour ce centre de vote, et ils ont agi avec plus professionnalisme que la journée électorale avant. C'est normal, s'il y a des partis qui ne sont pas d'accord avec le résultat préliminaire, ils ont pris la voie légale qui tracé pour ça. Nous avons déploré tout le fait que tu as gagné certains leaders politiques qui ont fait des appels à la violence et violence ça, ils ont concrétisé sur des biens publics, sur des biens privés. Et qu'il y a des agressions physiques qui font sur une série de monde, dans le pays, en particulier certains journalistes. Nous croyons que le comportement de certains acteurs politiques, pour nous-mêmes, il paraît un comportement dilatoire, qui n'a pas rien pour eux avec aspect légal. C'est des comportements politiques et qui sont capables d'hypothéquer la date 7 février. Et c'est ça qui fait, nous avons posé une question, est-ce que Mounsayo, lui-même, c'est pas trop rien, mais le gouvernement de transition, il n'a pas voulu que le processus soit fini. Qui fait toute question ça yo et des fois il y a pas agi et c'est pas vraiment des cas électoraux là comme qui boussole yo. Dans sens ça nous espérons conseil électoral là a bien tête sous épaules li conseiller qui dans troisième composition pour yo agir en fonction de la loi par rapport avec démarche réquisition qui est parti contestataire ou un certain parti contestataire yo fait devant le CN monde qui responsable dans cette tabulation était plus ouvert qu'avant. Ils étaient disposés et disponibles pour répondre aux questions observateurs, pas seulement pour garder, pour se verbal cap manipuler, mais leur poser questions, ils étaient capables de joindre un responsable qui répond, qui est un journaliste, qui est un observateur, qui est le monde qui représentait le parti politique. Voilà, c'est position organisation ça qui a défendu le droit monde, qui est Antonal Mortimer, c'est un dirigeant, défenseur plus, qui va analyser lui. Et sous genre et question élection 20 novembre yoteye, et puis qui croit tout ces manœuvres dilatoires qui a fait bon côté parti qui a contesté yo. Organisation qui était ensemble avec dans conférence pour la presse solidarité haïtien défend droit migrants à rapatrier Codemir qui était collaboré avec défenseur plus dans observation élection 2016 d'après ça qui dit coordonnateur Codemir Pierre Gaonere a fait quelques recommandations dans perspective l'autre élection pour ta gain amélioration dans gen y a gain pour organiser future élection k'ap gain pour fête yo l'attendre toujours conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya prendre des mesures contre toute personne organisation qui t'a impliqué dans question fraude aussi qui t'a gain tendance pour publier résultat vote là même avant conseil électoral là. Publier les résultats du premier tour des élections comme prévu, c'est 29 mois ça. Nous demandons pour conseil électoral à respecter le calendrier. Troisièmement, c'est assurer que liste d'émargement lui correspond avec
liste électorale, surtout dans tout bureau de vote. Et quatrièmement, c'est informer la population 2 ou 3 jours à l'avance concernant 100 bureaux de vote. Ensuite, c'est rendre les centres de vote plus accessibles parce que nous connaissons bien, surtout pour des gens qui ne sont pas capables à voter parce que on sait de côté nous est tombé, ils n'ont pas accès pour aller pour voter. Troisièmement, c'est prendre des dispositions en place en vue de permettre aux personnes âgées et les personnes handicapées de voter en toute sécurité. Recommandation ça, c'est pour les partis politiques. Respecter les prescrits du décret électoral dans le processus de contestation. Et deuxièmement, faire appel à leurs partisans de s'abstenir de toute violence durant la période post-électorale. C'est position organisation ça, Codemi, qui fait partie de Défenseur Plus, Pierre Gao Néré, dans la conférence pour la presse. MODEP ak Forum Politique Socio-Professionnel Progressiste Haïtien, FPSPH, ba yon conférence pour la presse journée jeudi a pour confirmer effectivement candidat PHTK pour poste sénateur dans le département d'Ouest d'après ça yodi et affirmé te jeune condamnation devant tribunal dans plateau central première instance tribunal première instance mien balai et d'après ça yo fait connait contrairement à ça acolyte yo te annoncé li même ak moun yo te arrêté dans dossier ça te jeune condamnation coordonnateur FPSPH tan Jean-Willy Bellefleur ak à la tête MODEP lan Guy Numa dans conférence pour la presse ça mandé ministère la justice à KEPA prend disposition pour empêcher dirigeant réponse paysan al siéger dans parlement bon ni pourquoi ka siéger parce que selon résultat et préliminaire yo li pa passé et semblait li ta ka aller probablement dans deuxième tour avec Patrice Dumont mais pas oublier que gagnent contestation et Gérald Gilles fait concernant résultat ça et KEPA pourquoi prononcer li sûrement devant BCEN et n'a coûté dans conférence pour la presse deux représentants organisation ça yo sous dossier ça le tribunal passe aussi j'en dis là donc et puis il dit carrément dans 10 jours Fédéral Monchéri Wilson ainsi connu et puis avec Jacqueline ainsi connu si toi nous ça va présenter après 10 jours eh bien, il est condamné effectivement à ce moment-là, il n'y a pas de droit civil, de droit politique, que nous saisir bien, etc., etc. Nous tentons quelques membres PHTK à Caldeo, parmi eux, ils ont repris justice que tout le monde connaît et de la joie. Et avec plusieurs compagnons qui va conférence de la presse, qui ont dit que c'est des manifestations qu'a faites pour détourner l'attention au monde. Je dis que, au contraire, il y a traîné monde qui écrit les tarots devant la justice, parce que c'est menti à faire sous finalement chez nous. Étant donné qu'il y a des manœuvres politiques, nous comprenons ces manœuvres politiques qui ont fait être capables de détourner l'attention publique, l'opinion publique, sous dossier ça, nous passer dans ce sens ça, pour l'histoire et pour la vérité, il faut que tout le monde connaisse des bagages tarots. Qui est là, je vois qu'il parle, qui veut défendre finalement chez nous. Lui-même, tous sont repris de justice. Sont repris de justice. Qui, d'ailleurs, en 2015, en 2011, qui est condamné parce que 23 mois, 21 mois dans le pays national. Et après, récemment, ça sera dit que la ligne de liste, publié, et de la joie, ça nous l'est. Et de la joie, clame son innocence. Démarche pour ce pays, ont à faire. Ce n'est pas une démarche qui est innocent. C'est une démarche qui est inscrite dans le cadre du processus électoral. Je vais faire mon neveu Baptiste, malheureusement, faux Baptiste. Avec faux Baptiste, ça, pour y'a fait, alors Baptiste qui est signati, imité signati, officier d'état civil là, pour y'a faire carte d'identification nationale pour y'a servi avec carte d'identification nationale, ça, dans l'élection 2015. Nous connaissons jusqu'à présent qui quantité dans carte, ça, qui doit servir dans l'élection, ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est que, en décision, le tribunal la prend, nous-mêmes, nous pensons que faut décision tribunal appliquée. Ministre de la Justice, KEPA, pas qu'à faire tant que vous ne connaissez pas. Si KEPA pas prendre décision après l'immédiat, nous venons voter ce dossier-là, et bien nous mettons dit que ce n'est pas l'élection KEPA fait. Et bien, après l'immédiat, nous venons voter, nous demandons un, pour le ministre de la Justice, après la police, pour la responsabilité pour arrêter Fédéral Monchéri à la police, et bien remettre à la justice. Bon, décision de justice qui prend compte, et bien, faut une décision de justice à appliquer. Faut que le ministre de la Justice mène une bonne
enquête. Vous connaissez pour qui raison le commissaire gouvernement Mibaler pas jamais fait suivi dossier et puis prendre disposition pour la loi mandée pour ça. Trois, n'a pas demandé pour KEPA camper sur le résultat Fednel mon chéri. Au monde pas capable de condamner devant la justice. Il a perdu droit civil et politique. Il a trompé vigilance CEPA pour l'inscrire comme candidat. Et il sous-vout un sénateur, il prend le fait loi et puis le condamné. Donc voilà, c'est deux représentants d'organisation ça qui persistaient et qui signaient pour faire connaître que Fednel mon chéri était bien et bel condamné devant le tribunal, première instance bien baléa. Dans quatre affaires, ça qui sont question de crime, usage de faux, et avec, bon, c'était concernant un officier d'état civil. Et avocat et deux autres citoyens qui étaient condamnés dans le même dossier, là. Avocat ça, c'est Maître Josué Augustma, était dans la conférence pour la presse là. Tout le porter quelques précisions sur le procès, il dit qu'il était fait pour montrer que candidat pour poste sénateur l'Ouest PHTK, Fednel mon chéri, te joué une condamnation contrairement à sa eau de la joie. Et te fait connaître dans conférence pour la presse, il te bail ensemble avec leader Kidlan Evans Paul. Et n'a coûté toujours, et dans conférence pour la presse, à fois ça, avocat de nan moun qui te concerné dans dossier ça, ensemble avec Fednel, mon chéri, Maître Josué Augustin. Moi, j'étais avocat de messieurs qui condamné, qui actuellement a pris une peine de 3 ans de travaux forcés, qui s'est metté Luz Balde, Montas, Lucanès. Ni dans l'interrogatoire, ni au cabinet d'instruction, ni dans l'audience, messieurs étaient très clairs. Ils n'ont pas nié que ils ont participé dans la question faux acte de naissance, mais ils ont porté tout acte et chargeant vers Fednel mon chéri. Mettez Luz Balde avec Montas Lucanès, c'est deux Haïtiens qui vivent l'autre bord frontière République dominicaine, notamment dans la zone de Relais-Espine. Eh bien, monsieur Sao t'a vu dans la communauté haïtienne qui gagne un ensemble de monde qui fait dans la partie de la République dominicaine, mais qui n'a pas jamais gagné identité, qui n'a pas jamais gagné document d'identité, notamment acte de naissance ou bien carte d'identification nationale. C'est comme ça, dans l'année 2014, dans le moment côté tension entre la République dominicaine avec Haïti, ou bien t'as expulsé Haïtien vers Haïti, eh bien, réponse paysan, que Fednel mon chéri était dans la tête, il était approché communauté Sao, le bord frontière, dans le sens que il a aidé aux jeunes documents d'identité. C'est dans ce sens ça, communauté a été organisée, et avec appui Fednel mon chéri, il était monté en comité. Et dans le comité, c'était Mette Luz Balde avec Montas Lucanès, qui était deux délégués. Il était pour faire lien entre la communauté qui a vu le bord frontière, ensemble avec réponse paysan. C'est comme ça, monsieur Sao, il a rencontré les gens, il a pris un nom, un maman, un date qui était faite, côté au fait, et puis il descend avec l'information Sao, ici dans votre presse, dans le bureau de poste paysan, il a voté par Fednel mon chéri, les mêmes qui ont une commission, fait acte de naissance pour les gens. Et puis monsieur, il a retourné, et l'autre bord à côté de la ville. Et puis, après un certain temps, mon premier loi acte de naissance qui a été reçu. Mais tout le monde dit, les messieurs qui ont reçu acte de naissance, à savoir, il a une promenade de Mounio, Belader, pour faire 4 identifications nationales. Les offres de Mounio font 4 pions, il y a un programme 4 pions pour descendre dans le niveau de réponse paysan, côté de Fednel mon chéri, sous base que vous-même, il y a un programme faire rapport pour montrer combien de Mounio ont été déjoints et ont été documents d'identité. On a la deuxième loi de naissance, non? Mais vous avez reçu la deuxième loi de naissance à Nandelader, suivant ça aussi. Eh bien, c'est dans le moment où vous recevez la de naissance à Nandelader que vous avez rendez voir pour nous promener, nous avons fait 4 identifications nationales dans le bureau de Nandelader. Eh bien, officier d'état civil, tout le monde, là, fait arrêter monsieur parce que monsieur fait la de naissance sous non bureau d'état civil lui-même, il est responsable, sans que le papier soit passé dans le bureau. Il a arrêté les gens dans ce circonstance-là. Et pendant tout procédure, là, nous avons clairement identifié Fednel mon chéri, réponse paysan, comme moun qui t'a dirigé bagaille ça, comme moun qui t'a fait acte de naissance, ou même était là ou même seulement, pour avoir information, distribuer acte de naissance, mais les moun a le fait et permis d'identité. Voilà, c'est avocat Youn, deux moun qui condamné dans le dossier ça, Maître José Augustin qui était ensemble avec deux porte-parole de l'organisation Saïboudep avec Forum politique sociaux professionnel progressiste haïtien qui est entré dans le dossier ça, qui était pour tes précisions ça. N'a pas souligné après que eux de la joie étaient menacés pour traîner devant la justice, directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, peut-être qu'il était écrit KEPA sous dossier ça. Et puis avec candidat Formila Valasta, docteur Louis-Gérald Gilles, et qui te mettait dossier à dehors, il te dit pour aller traîner devant la justice pour diffamation, c'est menti. Il te donne un certificat, même jour conférence de presse, la 20 décembre, même nommé, et greffe.
tribunal Mianbalea pour te dire que pendant que parlait de dossier oui mais il dit que yo innocenté camarade dit Fidel mon chéri eh bien monsieur Espérance dans réponse il débat radio Kiskeya te fait qu'on est eux de la joie gain dossier tout faux et usage de faux il pas même perdre du temps pour le répondre et depuis là ça ne attendait rien encore dans dossier ça la faut l'autre camp olmapalais.com. Oui, tout à l'heure, on va recevoir l'invité de M. Gédéon Jean, qui était ancien membre de la commission, qui était produit rapport Sièvre, et sous élection 2015, yo, qui pral bon nom, qui j'en ai la situation dans l'élection 2016. Yo. Mais juste avant d'ouvrir une autre session d'information, pour parler nous de l'autre élection, direction pays États-Unis, Donald Trump, pas content, rien. De, heureusement, toujours gagner un ordinateur devant pour tweeter tout ça qui passe dans la tête. Pour ça fait candidat, et en fait, pas candidat encore, président élu États-Unis en colère. Et à cause de Barack Obama, il dit qu'il a dit des paroles et flammes du feu et qu'il a mis tout une série de barrières et il fait exprès et concernant transition qui n'a pas marché, Jean que le Tavléa. Et pour la prendre tête pays États-Unis. Et il dit que moi fais tout ça me capable, moi même bon côté pam pour me bail vague tout un paquet de problèmes obstacles qui gagne sous route transition et avec parole piment bouc déclaration flamme du feu que président qui prêt aller à faire parler de Barack Obama et c'est Trump qui a parlé. Moi pensais que transition t'a fait douce quoi la douce mais c'est pas vrai d'après ça le fait qu'on est. D'après ça, le tweeté, leader populiste, non, qui est élu dans l'élection 8 novembre. Et deux jours après, il était fin participer dans l'élection, ça a été bail que le gagnant grand électeur, et président qui peut aller à lui-même, il était rencontré, coué tradition exigée, dans le bureau Valla, dans la Maison Blanche, et il tous les deux, surtout Obama, il a fait tout effort pour le mettre, et tout problème, il était avec monsieur pendant la campagne électorale, là, sous-côté, et qu'on était insisté pour le dire pour transition faite sans anicroche. Il était insisté sous volonté pour mener une transition qui fait dans la paix. Mais je dis, à, d'après ça, le président élu a fait connaître Trump, c'est pas vrai. Barack Obama, qui est pour quitter fonctionne dans la date 20 janvier qui a venu là, déclaré dans une interview que certaines six constitutions te permettent, il t'a réélu pour un troisième mandat. Et en même temps, tout, c'est un toya livré sous Hillary, pas arrivé à mobiliser suffisamment de monde pour le TK élu. Il dit, malheureusement, bon, constitution pas permettre ça. Il croit que le peuple américain t'a marché derrière elle, d'après sa président démocrate qui prend l'IA, déclaré. Et puis, dans la même occasion, tout, Trump voyait l'espoir by Benjamin Netanyahu. Et il fait deux autres tweets sur politique étrangère. Donald Trump, une autre fois encore, appuyer Israël sans garder derrière. Après vote l'ONU sur le fait vendredi, il condamné vote ça. Et côté que c'est l'ONU et le fait que États-Unis fait abstention, il est arrivé condamné État Eboué qui chita qu'a pédé monter caille sur tête pas pour lui. Matin Benjamin Netanyahu te gain pour te ordonner pour te construire bonne caille dans Jérusalem et fait bac sous décision ça. Et avant un discours, secrétaire d'État John Kerry t'a prononcé jeudi à sous proche rien, président élu a voyé tout ça. Il fait qu'on est nous pas capable continuer à quitter y a traité Israël j'ai à faire là comme son pays a méprisé. Il dit que ça c'est un manque de respect par rapport à pays Israël d'après sa milliardaire président écrit. Et puis il dit que il était tellement habitué et que nous t'ai un gros ami pour eux-mêmes, nous-mêmes pays États-Unis, mais j'en ai regardé là, c'est pas même bagaille encore, et mais nous capables de dire que et ça t'a commencé les que États-Unis à l'entrée pour faire accord avec un pays Iran, c'était commence pour la fin. Et dans la question politique nucléaire, là, c'est toujours Trump qui a parlé dans tweet d'io, mais il dit qu'elle est là, et l'ONU vient achever politique ça côté États-Unis à mépriser Israël. Mais il dit Israël, Kébé, pas la guerre, était fait, était ferme, était fort, parce que 20 janvier, il pas loin, il presque arrivé. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pas de printemps, il retweetait Donald Trump, parce que son sérum, il joint,
li remercie d'après avoir que monsieur l'ouvre deux bras pour Israël, bon zamitaï, et appuie que le Bali qui claire sous compte Blococ. Et c'est pour la première fois depuis 1979 que États-Unis pas empêché une résolution votée contre Israël dans le Conseil de sécurité. Et jusqu'à présent, il était toujours empêché, il était servi avec veto, mais fois ça, il fait abstention qui pas même sens et dans le Conseil de sécurité. Abstention permettant tout l'autre État de voter et condamner État hébreu. Ça qui fait Benjamin Netanyahu m'a déchaîné. Et l'idée de ouais, non mieux que Obama allait déjà. N'a pas vini la caille panou. Et côté de la Commission épiscopale nationale justice avec la paix, qui présentait un tableau très sombre sur la situation de Wamoun dans le pays d'Haïti pendant l'année 2016. Nan, directrice nationale Gilles Mme Jocelyne Cola-Noël, dans une conférence pour la presse jeudi, fait qu'on est, n'a pas cité le droit politique, économique et social, peuple haïtien pas respecté pendant l'année 2016, selon Mme Cola-Noël. Et selon chiffre, organisation ça a publié, il parlait de 572 personnes qui mourent dans acte violence pendant l'année dans la zone métropolitaine, non? Sans que yo pas quand même entrer là-dedans, bilan ça, chiffre 3 derniers mois, d'après ça le dit. Dans ce sens, la directrice nationale Commission épiscopale nationale justice avec la paix, qui est un organe l'Église catholique qui a défendu le monde, recommandait l'État haïtien prendre disposition pour améliorer les conditions de la vie de la population et puis demander l'équipe qui peut arriver sous pouvoir pour chita parler à toute couche dans la société pour qu'elle démarre sur une autre base. N'attendez à la tête Commission épiscopale nationale justice avec la paix, Mme Jocelyne Cola-Noël. Dans la conférence pour la presse, ça, côté Renal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. L'élection qui était reportée, est arrivée organisée en novembre 2016. Là. Mais n'attend le résultat toujours qui est en contestation et manifestation qui est chargée avec violence. Sous le Parlement même, le Sénat est arrivé à voter la loi sur blanchiment d'argent et financement terroriste. Il vote tout projet de loi qui pour réglementer l'unité centrale renseignement financier. Mais le Parlement, pas de jambes prononcer les clés sous prolongation mandat président provisoire Jocelyne Bouvet qui était là selon accord politique février 2016 là pour 3 mois. Sous plan économique, pendant toute l'année 2016 là, pouvoir pour mon acheter, pas de jambes suspend diminuer chaque jour plus. Goutte nationale là sorti dans 56 gouttes 70 pour $1 américain dans le mois de décembre 2015 là pour arriver dans 67 gouttes 80. Pour $1 américain dans le mois de décembre 2016. Sous plan social, prix manger sur marché local là par James Sispon augmenté. L'hôpital l'État dans tout pays a été en grève pendant plus de 4 mois à cause médecins résidents ont réclamé une plus bonne condition de travail et pour te augmenter, chocho l'État te kon ba yo. Grève ça a été la cause de pile moun souffri et même gagnant qui vivait mouri. Dans finissement l'année ça, personnel l'hôpital yo dans tout pays a décidé faire grève pour réclamer une plus bonne condition de travail et puis payer l'argent l'État doit yo. Yo l'autre fois encore, c'est moun qui pa gen moyen yo, c'est yo qui plus a souffri. Plus ti moun toujours dans la rue, soit si e machine, soit fume drogue, tant pour aller tiner à ciment dans bouteille. Soti janvier, rive décembre, même si pour trimestre octobre décembre nan tout chiffre bon ko vérifier, mais quand même nous à 572. Quantité moun ki mouri à violence. Nous toujours connait dans chiffre ça yo pi fort c'est à balle. Li clair, paquet droit moun gagné yo, droit social, économique, culturel, civil, la politique yo pas respecté comme ça doit pendant 2016 là. C'est peut-être ça. Commission épiscopale nationale justice ak la paix quoi, l'État haïtien dans toute branche pouvoir li yo doit prendre bon mezi pour améliorer les conditions de la vie de la population. Li doit prendre revendications qui ont sorti dans différents cours sociaux au sérieux. Parti politique, groupe économique, doit suspendre, servir à pratique violence pour prendre pouvoir pendant plus forte population, toujours dans mal cité. Commission épiscopale nationale justice avec la paix souhaitait pour l'année 2017 la plus bon. Consalimant des nouveaux équipes qui privées sous pouvoir, convoquer État généraux nation avec participation toute couche dans la société pour réfléchir et puis décider ce qui demain nous voulons pour le pays, pour redémarrer le pays sur notre base. Madame Jocelyne Cola-Noël, qui à la tête GILAP Commission
épiscopale l'église catholique sous justice avec la paix et qui a défendu le monde qui t'a parlé comme ça dans conférence pour la presse. Olapalais.com. En pile organisation tout neuf qui a poussé sous compte John Joe apparaît dans jardin PHTK pour revendiquer victoire candidat organisation politique ça c'est comme ça gagne de les mouvements jeunes pour la paix une structure qui fait paraître qui mandé conseil électoral provisoire respecter date 29 décembre dans demain pour publier résultat définitif élection 20 novembre et coordonnateur en après à coordonnateur général et organisation ça et Jean Fenel Jean-Baptiste et Toniel Descend étaient même rencontré la presse jeudi dans local Kid pour demander gouvernement passer la police l'ordre pour contrer carré ça les toutes actes violence je dis qui gagnait et qui a gagné après publication résultat yo et concernant l'accusation avocat parti contestataire de fait qui déjà fait partie de passé puisque BCN a reprendre après-midi à même responsable nouveau organisation tête Kalisa quoi c'est une démarche qui visait faire plus temps passer une après l'autre d'attendre des coordonnateur général mouvement Toniel Décembre à coordonnateur adjoint Jean Fenel Jean-Baptiste conférence pour la presse côté Renal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. Nous t'ap suivi yo dans cette tabulation. Nous t'ap suivi toute manœuvre que ti groupe machine pays ça t'ap fait en dedans. Et bien vinn di yo comme c'est CPA qui débat un calendrier puisque respecté déjà 20 novembre non, le respecté 8 décembre dans le débat résultat partiel là, ben nous vinn demander pour le respecter 29 décembre ça. Nous fait appel avec conscience tout le monde ça yo. Demain 29 décembre non, depuis assoya pour y veiller en haut V en bas. Et nous demandons CPA pour publier résultat définitif là, j'en joigne dans cette tabulation. J'en peuple a été sorti, il a voté 20 novembre. Nan. Et pas CPA pour le faire moun, vin président. Et pas CPA pour le faire moun, vin sénateur. C'est peuple, monsieur. Monsieur Forti, calez les yeux nous. Gardez nos miroirs et pas miroirs pour nous craser. C'est figuier nous pour nous laver. C'est temps à faire passer. Le téléquise déjà, car il y a été voué, il dit que vous-même n'avez pas de compétences pour ça. Vous comptez ça. Et nous pensons, BCN doit assumer responsabilité, car il y a pas faire même bagarre encore. Vous devez assumer responsabilité pour vous bailler. Résultat définitif là. Et nous t'en dégainons même, il y a baille pression à juge ça pour quitter le pays. Nous-mêmes, nous avons demandé aux parlementaires pour suivre ce qui a passé. Si c'est la présidence qui a baille pression, si résultat a baille, il y a crasé qui fait dans le pays, brûler les machines, caille, business, premier ministre, président pays, chambre de députés a demandé pour mettre en accusation pour juger. Parce qu'il y a une responsabilité pour protéger bien, pour passer la police l'ordre pour protéger bien moun avec vie moun dans le pays. Le nouveau venu sous scène politique là qui a appuyé candidat PHTK, Jean Fenel Jean-Baptiste, à Toniel Décembre, organisation et les mouvements jeunes pour la paix. Candidat pour poste sénateur dans le département sud-est, M. Hébert Lahatte, dit qu'il pral sommet chambre 1 BCEN nan, qui pas bali droit pour la vérifier vote li dit te bénéficier dans occasion élection 20 novembre yo et pour cal vérifier dans cette tabulation candidat qui dans deuxième position bien loin derrière et ancien président sénat allié PHTK Joseph Lambert et dans résultat préliminaire conseil électoral provisoire publié il dénonçait candidat combite national là il dit qu'il te fait magouille pour te capable river gain toute avance ça sous lit n'attendait Hébert Lahatte dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor pour la vérité pour l'histoire et l'honneur prend la parole jeudi pour nous dénoncer une décision médiocre une décision malaction qui sorti dans la chambre BCEN. BCEN nous déposer requête en contestation nous parce que BCED te dit que li incompétent nous déposer dossier à devant BCEN. Yotendez-nous lundi 19 autour de 11h30 du soir alors que nous te dans tribunal là 9h du matin, yo te convoqué nous. Le tribunal électoral là, car nous avons fini d'entendre autour de 1h30 du matin dans mardi. Le tribunal électoral là couvé décision pendant 10 jours.
yo affiché le matin pour yo dire que yo rejeté wicket noir et pour qui ça yo rejeté pour caution DGI lorsqu'on dépose wicket ou si c'est un problème en la forme comme ça yo pas tap même tendez nous au fond de votre tribunal là yo tap rejeté demande nous pour problème qui posait en la forme là. Alors nous avons préparé nous pour nous sommer nous opposer à décision ça parce que BCEN encore une fois a travaillé pour que yo enterré peuple haïtien dans la misère et le sous-développement et a travaillé pour que yo craser pays. Candidat pour sénateur Joseph Lambert c'est devant centre de vote là a offert mon l'argent pour voter pour lui, l'a fait campagne pendant journée élection et yo fait photo li dans machine ni et en temps réel parce que conseil électoral là bail superviseur au matériel pour ça yo voyez photo à bail conseil électoral là et yo voyez procès verbal là bail conseil électoral là. Malgré ça conseil électoral là pas tenu compte du tout de travail superviseur. Voilà, c'est candidat Kidla, professeur Hébert Lahate pour poste sénateur dans le sud-est qui a parlé comme ça dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Et puis, il y a l'Institut haïtien statistique et informatique IHSI qui a fait la population dans la zone métropolitaine dans le et que pour capable bien préparer pour le prochain recensement général de la population, l'a réalisé pendant le mois de janvier jusqu'à mois de mars 2017. Yon inventaire sur tout kay qui existait dans la zone métropolitaine. Konsa IHSI a déplantonné yon équipe cartographe qui a fait travail cartographie dans la commune. Kon a moun ki kon kampe ak ti appareil qui a comme si t'as des photos, c'est eux-mêmes. Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Tabar, et Cité Soleil, Carrefour ak Croix des Bouquets. Et cartographe sa yo, y a gagné yon kat avec yon photo ak so institut qui pour identifier l'Institut haïtien statistique et informatique mande collaboration toute population dans commune sa yo pour yo capable joindre bon gens information pour permettre que opération a bien pour faire réussi. Institut a remercié tout le monde d'avance pour bon collaboration yo. C'est un message Institut haïtien et statistique et informatique qui c'est un institut l'état haïtien qui donc qui a travaille pour nous même peuple haïtien dans question chiffre et dans évaluation dans tout ça nous gagne comme données dans domaine économique dans tout ça n'a fait comme population tout pays gagne genre de institut ça nous fait pour nous rider yo l'air fait travailler donc ça c'est pour recensement nous tout temps des haïtiens pas connait combien monde qui gagne dans pays c'est IHSI qui gagne responsabilité pour faire travailler ça. Sans transition, on a recevoir invité journal 4 après-midi, c'est directeur exécutif Centre analyse et recherche dans question de droit monde card, maître Gédéon Jean qui a parlé nous de impression sur ça qui a passé dans cette tabulation nous connaît et qui reprend activité d'après décision conseil électoral provisoire t'est ordonné et avec même tribunal là après que et parti qui concerné était récusé et li rejeté le conseil électoral là et doit continuer et fait travail vérification en absence parti qui demandait vérification. Et là parlez-nous de ça qui j'en dis même ni ouais situation ça alors que t'es membre une commission vérification que un peu monde dans pays a fait crédit et la répondre question Beethoven François Fils. Il pas trop tard pour me dire bonne fête de Noël quand même. Ce que j'aime comprendre et pour ça donc je m'a suivre même gens et la presse a suivre même gens d'autres acteurs société civile là suivre pour ce notamment au niveau du centre de tabulation que je suis là focus là et mais il me tient un peu d'inquiétude qui est exprimée. Je pense que c'est des inquiétudes qui légitimes parce que l'offre d'élection d'abord il y a le côté légal, c'est-à-dire c'est décret électoral là, c'est la constitution, c'est principe équité, c'est transparence, etc. Mais les acteurs qui concernent au premier chef par le processus, notamment les partis politiques, les candidats en particulier, donc donc nous avons des inquiétudes et nous pensons que le conseil électoral là normalement t'as supposé tenir compte de ça puisque pour moi-même vient de corrections qui t'a déposé puisque bon c'est bien des manquements qui est évident
par exemple, soit garder les prescrits de l'article 161-1. Donc, ce contrôle de qualité était de fait bien avant la publication des résultats préliminaires, c'est bien avant la publication fermée. Et ces centres de tabulation qui supposaient faire contrôle de qualité ça avant même que les résultats préliminaires soient disponibles. Malheureusement, nous voyons que dans le calendrier qui est élaboré par le Conseil électoral, là, vraiment, il n'y a pas tenu compte de ce contrôle de qualité. Il y a dû additionner les informations contenues dans le PVO. Or, les procès-verbaux même sont d'après comme ça de résultats. Donc, c'est ça que fait l'article 171-1, c'est obligation au centre de au Conseil électoral provisoire via le centre de tabulation. Oui, c'est contrôle de qualité ça. Lorsqu'on ne fait pas contrôle de qualité ça et que vous stabilisez des PV sans qu'on ne garde pas conformité par rapport à toutes les papiers tels que liste de mangement, feuille de comptage, liste électorale partielle, etc. Donc là, c'est quelque part on en respecte du décret électoral. Donc on pense que il y a des corrections de voter puisque l'institution électorale, notamment le centre de tabulation, il n'est pas vraiment appliqué décret électoral là et qui c'est document de base du travail. Là. Donc moi c'est quelque chose de légitime puisque lorsqu'en tant qu'institution étatique ou même au départ ou pas respecté loi, donc là qu'on a là vraiment où prêter le flanc au bon mariage et où vinité des institutions. Comme de vérification continue, donc j'espère que pour quelqu'un, il y a une vérification qui satisfait les partis, puisque bien parlé de processus électoral là, il y a le côté légal de la question. Donc, il y a le côté politique également, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, si le conseil électoral, là, lui-même, le centre de tabulation n'est pas respecté les décrets électoraux, là, notamment l'article 161-1 qui fait obligation pour que vous fassiez ce contrôle de qualité comme au préalable, lorsque le contrôle de qualité n'est pas fait, c'est-à-dire regarder conformité et PVA, qui c'est ça me considère comme un résultat, entre guillemets, avec l'autre document, là. Donc là, vraiment, bah, c'est son arrière qui expliquait que vraiment, l'institution électorale là, on continue de violer le décret électoral. Là, on peut regarder l'expérience qui était faite dans le CFA, sous plan méthodologique qui est constant fait, qui remarque au fait. Bon, pas oublier que CEVLA c'est une institution et le Conseil électoral est son institution, donc il n'est pas obligé à appliquer même principe avec, il n'est pas obligé à appliquer même méthodologie, mais étant donné que deux institutions ça au base de ces décrets électoraux là, c'est vos jeunes dans ça qu'il y a à faire, donc moi c'est que c'est parti de une bonne méthodologie, mais selon l'information que nous avons, selon j'entends que bagarre la partie là, c'est que bien là et BCN a violé le règlement. Parce que ça vous comprend, lorsqu'on fait un contrôle de qualité, c'est qui s'allie. C'est article 161-1 qui se dit sur nous. C'est exactement garder conformité PVA, ça que je considère comme un résultat par rapport à l'autre document. C'est-à-dire, article là du côté qu'il faut pas gagner des informations qui manquent, il faut qu'il conforme à tout l'autre document. Donc c'est contrôle ça, contrôle sous signaux. Est-ce que garder signaux corrects? Est-ce que garder les qui correspondent avec les images, ils correspondent avec PVA, etc. Donc, contrôle de qualité, il est établi par à travers l'article, les prescrits de l'article 161-1. Donc, moi, c'est que si on a un contrôle de qualité, notre origine, il a assis sur ça, exactement contrôler conformité PVA par rapport à l'autre document, entre autres, pour ces verbales, les électorales partielles, les images, les signes, etc. Donc, faire du comptage, tout ça. Donc, c'est garder est-ce que PVA, il comprend tout le document. Et c'est ça, l'article 161-1 exigé lorsqu'on fait contrôle de qualité. Ce que ça était de fait bien avant que les résultats préliminaires soient publiés. Moi, je connais un agent qui a fait ça, a gagné, avocat, parti contestataire, notamment la paix et petite dessaline qui réquisait Jujio. Bon, écoutez, là, nous on a parlé du droit. Donc, vous gagnez et principes généraux du droit, ou bien des cas électoraux là, etc. Donc, normalement, il y a un parti qui devant le tribunal. S'il sentit que n'est pas confortable, un parti qui devant le tribunal, s'il estime que n'est pas confortable et que tu as gagné un conflit d'intérêt, ou bien tu as gagné un tribunal à ta partial, donc le cas est capable de récuser, puisque c'est tout principe du droit international des droits de l'homme, de connaître que faut qu'il y a un parti capable et devant un tribunal qui est impartial, qui est compétent. Et qui préalablement établi. Bon, là, c'est l'autre débat, puisque le BCN n'est pas de véritable tribunal au droit du droit international des droits de l'homme, puisque ils ont établi postérieurement à ce processus-là, ils ont établi antérieurement. Donc, en Haïti, ils ont un tribunal électoral qui établit. Parce que tant qu'on va continuer à l'électoral qui établit, là, vraiment, on va violer le principe de l'international. Mais de fait, comme nous devons BCN, nous avons un tribunal
c'est un tribunal lié, nous acceptons dans le tribunal. Donc, il faut que toutes les règles appliquées, notamment, il faut que parti au senti au confortable. Donc, si parti au senti au pas confortable, si vous avez une suspicion légitime sous des juges, eh bien, la loi, bah, il y a une provision pour récuser. Maintenant, qu'on y a là, comme c'est le conseil qui va décider, donc, ma prendre décision conseil là, mais sauf que, nous connaissons qu'en matière du droit, en matière du principe démocratique, automatiquement, qu'il y a un parti devant le tribunal, il n'est pas senti le confortable, il y a une suspicion légitime. Il a senti que le tribunal là n'est pas impartial, donc il est capable de récuser, il est capable de demander pour l'aller devant l'autre tribunal. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que Jude, qui est représentant, ainsi que Petit de Saline, demandé pour aller devant l'autre composition. Donc la loi a autorisé pour récuser la composition, ça qui n'est pas confortable avec là, pour aller devant l'autre composition. Donc nous attendons la décision du Conseil électoral qui a un rôle administratif dans la question élection. Voilà, c'était Maître Gédéon Jean. Qui t'a parlé comme ça, c'est même commission qui était gagnée dans tête de François Benoît, qui t'a produit et rapport ça sous élection 2015. Et il t'a fait partie avant ça de commission avant, nous songeons que tu as plusieurs problèmes dans la question commission ça, et puis jusqu'à ce que tu deviennes une dernière commission ça. D'après pour une question, Beethoven, François Fils. Oui, ou toujours sur Radio Kiskeya, nous pour aller dans Bogota, capitale pays Colombie. Parlement colombien a approuvé, jeudi, la loi amnistie pour amnistier même FARC dans le cadre accord la paix, qui sont première étape pour mettre en application accord la paix, ça qui était signé. Et en guérilla avec le gouvernement colombien, que le président colombien Juan Manuel Santos, qui prit Nobel la paix, et qualifié de pas historique. Premier pas pour être capable de corriger la paix dans le pays Colombie grâce à Congrès qui a approuvé loi. Congrès, c'est le Parlement dans le pays Colombie. Loi pour amnistier et tout le monde facteur pour tout ça a été fait. Et c'est un vote historique. C'est sa chef l'État qui a réagi sur compte Twitter écrit. Loi a 69 voix qui adoptent. C'est à l'unanimité. Pas quelqu'un qui votait contre dans le Sénat. Et 102 sièges, et qui gagne 102 sièges. Alors, pas à l'unanimité. C'est 69 qui a approuvé, pas gagne voté contre, sous 102 sièges qui gagne dans le Sénat. Et avant ça, 121 pour, 0 contre, dans la Chambre représentante qui gagne 168 députés. L'autre fait abstention. Le texte qui prévoit pour yo amnistier même facio, et côté abgracier pour tout ça a été fait, même force armée révolutionnaire, Colombien au FARC, tendance marxiste, yo accusé yo, d'après avoir été fait paquet de dégâts dans la vie politique paysan, ou bien qui marchait à comme ça, et yo te prévoit dans accord la paix, qui était signé 24 novembre, nan, pour yo te mettre un point final dans 52 ans confrontation avec guérilla qui était la plus longtemps et qui plus important que en Amérique latine. Géon l'autre qui était dans le pays Colombien, le ELN, et le gouvernement a dû tenter négociation avec les tout. À partir de quoi il y a là, il y a 5700 guerriers qui peuvent commencer, quitter maintenant pour descendre et pour remettre Zamio et à bénéficier tout ça à quoi prévoir pour permettre que la paix tourne en réalité d'après sa présidente Sénat, Mauricio Liz Cano, déclaré dans communiqué. Olapalais.com Nabvini, la caille panou. Problème malade dans l'hôpital général recommencé encore. État santé l'hôpital là, monde qui l'hôpital là détérioré chaque jour plus. À cause de grève manche longue, personnel l'a déclenché encore pour revendiquer augmentation salaire et puis bon condition de travail. Mouvement levé campé ça, la cause fatra faire mon explication, mauvaise odeur et tout partout gaillé dans plus gros l'hôpital pays. Malade yo abandonné pour contre sous cabane non. Et dans l'hôpital là côté pas gain soin yay yo fait connaître c'est grâce à bonne volonté quelques docteurs qui permettent quelques parmi yo joindre un petit soin yay n'a coûté quelques dans malade ça yo parent yo dans micro Emmanuel Tolem Brina le venu passer le docteur le venu passer sous 3 jours depuis combien de temps c'est toi moi l'an de moi 2 mois ça vient qui t'est tombé tu veux tomber Tu es pour être là déjointé? Oui. Comment sens-tu qu'on y a là? Bien. Pas plus mal? Oui. Ou pas une douleur? Non. Okay. C'est ça le mal pour lui, comme ça, pour le capable de faire comme ça. Il y a une grève l'hôpital là, dis-nous comment la situation est présentée. Est-ce que nous jeunes médecins qui font intervention pour maladie, pour les soins qu'ils ont nécessité? Non, mais malement, parce que l'on vient regarder. Nous, quand nous sommes venus, nous ne pouvons pas voir nous-mêmes encore. Depuis qu'il est au maquillage médecin là.
Mais ça fait 3 jours depuis que tu penses là. Nous avons mis aujourd'hui à la volonté pour expliquer nous comment comme si la petite là y est. Ça pour nous t'a fait mais nous beaucoup pas jeune. Nathan. Mademoiselle. L'hôpital là, dis-moi comment vous sentez là. Je suis en train de faire la fièvre. Tu as un point là? Je suis tombé. Tu es tombé? Il y a un médecin qui passe là. Je ne pense pas lui. Tu ne pense pas lui? Oui. Quand tu es déjeuné, il fait mal là. Comment on l'aide? Jojana. Oui. Ça a petit tour à gagner. Moi, tu es en train de tomber sous. On dalle? Oui. C'est-à-dire béton qui tombe sous pied lui? Oui, qui tombe dans le décapé, qui tombe sous lui. Depuis quel jour là, au jeune médecin, comment ça y est? Bon, jeune, oui, par hasard. Par hasard? Le docteur, maintenant, il y a même une suppression. Il va là chaque jour. On l'a conseillé de reparaître. Voilà, c'est quelques malades, il y a un petit grand monde parmi les malades qui t'a répondu. Et question Emmanuel Tolem-Brina. Et une situation tête chargée, on l'autre fois encore dans le système de santé publique. Là, dans moins que une année, ça fait 2 gros grèves qui fait dans le système de santé publique haïtien. Association nationale normalien indépendant d'Haïti, ANI, paraît tout note pour la presse qui portait date hier pour dénoncer crime qui fait sous professeur Kearns Eli Calix. Je dis nous-mêmes, dans l'association ça, ANI, Association nationale normalien indépendant d'Haïti, yo. C'est avec un pile saisissement le nous apprendre comment bandit grand chemin dans Carrefour assassiné Kearns Eli Calix qui c'est un professeur français dans lycée jeune fille dans Miragouane et dans collège 4 Pressoir qui dans Port-au-Prince et gros axa crime ça fait sous professeur jour qui était jeudi 22 décembre non besoin 8h dans matin pendant que il était quitté la caille pour aller travailler et notre lundi n'a pas appelé Kearns Eli Calix gagne 2 diplômes. Youn dans le département lettres modernes dans l'école normale supérieure, l'autre là dans le département sciences juridiques dans la faculté droit et sciences économiques dans Port-au-Prince. Il était youn dans meilleur étudiant dans promotion 2010-2013 dans l'école normale supérieure dans le département TIR. Et l'a fait une maîtrise tout lettres philo dans université Paris 8 dans pays la France et condition la mort universitaire ça et frappé non surtout et tout le monde qui prend chemin l'école pour capable réussir et la vie d'après ça notre fait connait yo remarqué yo ciblé monde qui a fait effort et à travers l'éducation dans sens ça Annie dénoncé à toute force li actions assassinat ça qui fait sous professeur Sila qui c'est un membre fondateur association assassinat ça plongé nous dans une tristesse et qui en met coup fiel bœuf. Tout le monde qui a fait effort en général, professeurs, amis, familles en particulier, et surtout, toute maman petite qui fait un pile sacrifice pour faire éducation petite. Yo. Zak criminel, ça, c'est conséquence comportement maman fou ben l'État qui pas jamais fait rien pour protéger chaque grain de monde dans la société. A, côté malfecteur, yo, a flané libre et libre à gros tonton zam nan men yo. Et ça qui pire de là, l'État, ça, qui sont l'État qui mêlem. Et pas jamais créer bon genre condition pour l'hôpital capable de fonctionner dans pays comme ça doit. Et d'après sa association estimée, si l'hôpital général t'a fonctionné, Kearns était capable pas mourir. Et n'a pas rappelé, il était prend balle vers 8h du matin, il mourit vers 4h. Bon, il était capable mourir, il était capable mourir. Tout ça dépend de gravité, genre qu'il était blessé. Et mais il mourit juste bien tard dans l'après-midi, jeudi 22 décembre. Qui donc? C'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité qui fait mourir dans condition ça, selon l'organisation. Et ça a détruit, bien sûr, toute une famille. Et qui t'a fait un pile sacrifice pour te mettre petite ligne dans niveau ça. Malheureusement, c'est dans condition ça qu'elle a perdu la ville. Malheureusement, c'est récompensé à la société réservée pour les gens qui sacrifient pour former tête. Nous connaissons pas rien qui a remplacé gros pète ça. Mais Annie a demandé pour la justice mener bon gens enquête pour y mettre en bas code tout le monde qui t'a impliqué dans crime ça qui fait sous professeur Kearns Eli Calix pendant que n'a demandé l'État porter bon gens assistance by famille hein, qui en bas deuil journée jeudi et organisation présentée condoléances li by famille professeur toutes amis et tout monde qui frappé en bas deuil ça et c'est Yvel Denoël secrétaire et en après
organisation ça qui s'association nationale et normalien indépendant d'Haïti ANI qui signe notre ça. Faut que nous dit gen conseil qui a dirigé ENS l'école normale supérieure qui a déjà pris position, gen une autre qui a dénoncé crime ça. Et puis gen toujours l'université à unité communication université d'état d'Haïti a voulu pour informer public en général et communauté universitaire en particulier pour faire connaître gen un nouveau conseil qui installé au décanal dans date lundi 26 décembre dans tête faculté technologie. Nouveau conseil ça, li gen la donne professeur Jean-Yves Blo, Robert Moïse et Claude Mandas, premier c'est doyen de l'autre c'est vice-doyen en affaires académiques à recherche. Et il était élu dans le premier tour élection. Dans la date 16 décembre qui s'est passé là, dirigeant ça a eu un mandat 4 l'année. Il a remplacé professeur Jacques Jovin, ancien doyen, Jean-Michel Gabriel, ancien vice-doyen dans l'affaire académique, et Jean-Yves Blo qui montait comme doyen, ancien vice-doyen dans la recherche. Cérémonie d'installation était déroulée en présence secrétaire général Université d'État d'Haïti, professeur Wilson Dorlus, qui était représenté recteur, et puis membre et corps professoral là, représenté professeur, étudiant et puis ak moun kap travay nan administration nan et faculté avec membre commission électorale. C'est un autre qui sorti nan unité communication université l'état d'Haïti UEH. Olapalais.com. Chaleur a pété fiel moun nan Rio de Janeiro qui nan pays Brésil et qui s'est passé qu'il y a fait une chaleur dans l'époque ça, et bien parce que même il fait partie de l'hémisphère sud et tout pays qui est dans l'hémisphère nord, tant que nous voyons que au contraire nous avons tendance pour nous sentir plus frais, surtout les nous dans zone et qui sous-monde en province le matin nous avons tout d'eau qui est plein d'eau et nous même nous dans zone hémisphère nord là et qui est la donne tout bloc Europe occidentale et nous neige a tombé en Asie plusieurs côtés tant que Japon gen longtemps neige pas tombé et bien gen pile neige qui tombé gen pile côté fait frais du yo même c'est exactement le contraire yo même pays tant que Afrique du Sud Australie Nouvelle-Zélande et Chili zone ça yo c'est Argentine toute zone ça yo au contraire c'est en été oui kouni là et là que yo même y a en été ça veut dire là nous même nous en été là il fait chaud ici dans grande vacances et bien même c'est hiver pour yo. Et bien, quand il y a cette grosse chaleur, je dis son record pour l'année 2016 dans Rio de Janeiro, Caio, qui toujours aimait à la supply, certainement, c'est là où il était. Caio, c'est non, il y a monde qui vivent dans la ville Rio de Janeiro. Yon organisation, yore le Okoder, non déclaration li fait dans micro radio Kiskeya, mandé pour tout leader politique, mettez à candidat et parti tête caléa Jovenel Moïse. Et si c'est décrivé comme président dans le pays, Sauveur Delvac fait une déclaration ça, et passé, il parlait de toute occasion, secteur démocratique, là, te joigne, pour te mettre tête ensemble, pour te capable, et pour un pouvoir, mais il te raté, une véritable leçon de choses, il fait, il parlait de 2006, 2010, 2015, côté au quitté, c'est l'autre monde, et qui parle dans la politique, qui arrivait sous pouvoir, et donc des outsiders. Et Napkouté et Sauveur Delva, coordonnateur organisation, ça qui dit son organisation communautaire pour développement rural, au Coder, qui te parle comme ça dans le micro Amos Breville. Pour qui ça, l'idée nous est divisé pour faire mal, mais nous pas jamais uni pour faire ça qui bien. 2003, l'idée nous est uni pour voir le président Aristide aller en exil. 2006, l'idée nous est divisé, président Prival, retourner président, toute l'idée. 2008, 2009, l'idée nous est uni pour voir le président Prival aller dans le camp loin. Nous fait unité. Mais ça, pas facile. 2010, l'idée nous est divisé. Matéli paraît, le président, sous toute l'idée. Sous toute l'idée. Traditionnel. 2011, rivé 2015, 5 ans, l'idée nous yon ini dans la ria, yon passé 5 l'année pour voir le président Matéli aller. Mais ça pas de chambre. 2015, l'idée nous yon divisé pire. Jovenel Moïse paraît, nek banan, président, rivé président, l'idée yon ini, yon met tête yon ensemble, yon krasé élection 2015 là. Parce que yon déclaré, c'est zombie qui t'a voté Jovenel Moïse 25 octobre 2015. 2016, l'idée est divisée encore. Zombie est révolté. Il y a un seul coup de clé. Jovenel Moïse, président
nan premier tour. L'idée perdant yo ini nan la rue pour faire mal, mais yo pas mettre tête ensemble pour gagner élection ni 2015 ni 2016. On peut demander pour qui ça. On peut demander est-ce que solution pays a capable de résoudre dans la rue pour qui ça l'idée yo pas vle mettre tête ensemble pour porter une bonne solution dans pays a en faveur toute population. On connaît à continuer encourager toute leader yo pour nous dire gagne une dernière chance encore. Suspend encourager partisans yo dans craser briser détruire la vie moun et spécialement la vie police nou yo qui a servi à protéger pays a à tout bien qu'il a donné. On connaît gagne une dernière chance pour leader yo toujours toute leader qui gagne bonne volonté et vision pour développer Haïti. Tout leader qui dit yo remet Haïti, on peut demander on nous mette tête ensemble à président Jovenel Moïse pour nous faire pays à avancer parce que yon seul monde pas capable de porter solution. Voilà, c'est responsable organisation au Coder là, Sauveur d'Elva qui t'est parlé comme ça. Et puis autorité dans la Russie annoncé une deuxième boîte noire avion militaire Houston qui t'est écrasé dimanche bien bonheur matin dans la mer Noire. Et qui n'en dedans pays Russie tout près Scotchi et y ont récupéré c'est ça je dis à ministère défense russe annoncé selon diverses agences de presse dans pays la Russie et pendant plusieurs médias russes qui fait connaître résultat préliminaire premier boîte noire été analysé a orienté enquête là dans sens et c'est et appareil là que un problème n'est pas de fonctionner. Comme explication, crash ça, qui donc accident terrible ça, avion russe, ancien soviétique, Tupolev, qui crase à tout le monde qui était à bord là-dedans, 64 chanteurs, musiciens qui fait partie de chœur russe, l'armée rouge là. Et après décollage, 2 minutes seulement, et dans zone et Sochi, et pour aller dans le pays Syrie pour aller remonter moral troupio. Donc deuxième registre vol Tupolev tu 154 là et repéré et récupéré et jeudi hein semble gagner et ça qu'on a basé l'avion qui pas l'ouvrir. Donc est-ce que pilote là qui a 3000 heures de vol qui charge avec expérience pas de qu'à faire aucune manœuvre pourquoi qu'a dit ça et deuxième boîte noire pour permettre de aller plus loin dans analyse ça qui la cause accident ça. N'a pas fini journal là pour nous dire ça avec tristesse nous apprendre la mort monsieur Charles Yvon en grand qui mouri dans accident la caille il est tombé dans escalier et ça arrivé 22 décembre qui s'est passé là dans Vivi Michel et madame ni Marie Hélène Molière en grand avec petite fille Salomé Sali en grand et fait toute famille en connaît parents alliés et toutes amis et que deuil ça a affecté enterrement a fait vendredi et 6 janvier, il y a exposé li dans salon funéraire Caraïbes et dans Turjo tout près l'église à Kéke. Et puis enterrement a chanté le lendemain 7 janvier à partir de 9h du matin et côté il y a gagné pour yo et enterrer dans parc du souvenir. C'est occasion tout pour nous présenter condoléances by Marie-Hélène et avec toute petite et toute famille et qui a fait face à tragédie ça. Et puis faut que moi dit moi décembre dans son mois terrible perdu en pile monde et il était dit que Maril monsieur en grand et Maril est c'est mon même côté avec moi c'est un fanatique et radio Kiskeya pas jamais raté un journal 4 donc moi perdu auditeur me perdu en pile auditeur avec auditrice et pendant moi ça et puis c'est occasion tout pour présenter condoléances à toute famille qui est affectée tant que Hans Gaout maman qui mouri dernièrement t'a dit que dans dernier jour vraiment toujours attendre il dit mettez radio sur radio Kiskeya pour lui pour tendre des nouvelles et puis bon dans propre famille pas m'a présenté condoléances à toute reste famille by famille Poulard là et côté madame Albert Poulard qui était nous et by toute petite particulièrement by madame Denise Poulard dit tout pour une bonsoir à demain. Paul Palais.com.